Julien Dufresne-Lamy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir, on se voit pour la première fois. Votre actualité, c'est un roman, Deux cigarettes dans le noir, disponible chez Belfond. Moi, je vous découvre, et pourtant, vous avez déjà publié des bouquins. C'est mon troisième livre, oui. Comment est née l'idée de ce livre ? L'idée remonte à quelques années, en 2013, j'étais en résidence d'écriture à l'époque. Je terminais mon deuxième livre, qui est sorti cet été chez Actes Sud Junior. J'avais envie d'écrire quelque chose sur Pina Bausch. C'est une artiste qui m'a toujours bouleversé, que j'ai découvert quand j'étais journaliste à Lyon en 2010. J'avais envie d'écrire quelque chose sur elle. Je partais en résidence d'écriture à l'époque et j'avais du coup... une recherche d'idées, j'avais envie d'écrire quelque chose, mais sans exactement savoir quoi. Et à cette époque, je me souviens très bien, il y a eu un fait divers assez particulier. En 2012, un cinéaste grec très connu est mort, fauché par une... D'accord, ça part de là. Ça part de là. Théo Angelopoulos, un grand cinéaste acclamé du monde, est décédé. Et un policier sur une voie rapide l'a fauché. Et je me suis imaginé finalement la culpabilité de cet homme, qui n'est pas sociopathe. Déjà, la culpabilité d'avoir commis un homicide involontaire et en plus d'avoir été celui, le responsable de la mort d'un grand génie, d'un grand artiste. Et j'ai transposé donc dans l'univers de la danse contemporaine avec cette grande figure qui est Pina Bausch. Alors c'est là où ça se croise, parce qu'effectivement, votre bouquin, c'est le même point de départ. Vous avez un personnage féminin qui s'appelle Clémentine, qui travaille dans une usine de parfum, qui attend un enfant. C'est au moment où elle va à la maternité, qu'elle prend sa voiture et qu'elle a un accident. Et en face, elle s'imagine que ce sera Pina Bausch. Alors, ça se passe pas d'emblée comme ça, mais effectivement, Clémentine, c'est une femme seule, c'est une ouvrière. Elle tombe enceinte après une relation éphémère avec un routier. Et donc, elle se conduit seule à la maternité puisqu'elle vit seule dans une banlieue dans le nord de Paris. Et elle a tellement mal au ventre, elle est tellement prise de spasmes et de panique et d'anxiété qu'elle fauche quelque chose ou quelqu'un et elle ne s'arrête pas puisqu'elle a très mal au ventre et qu'elle a besoin d'aller à l'hôpital. Et c'est à la maternité, quelques jours plus tard, qu'elle voit à la télévision la mort de Pina Bausch. Et en voyant finalement ce visage pour la première fois, puisqu'elle ne connaît pas Pina Bausch, elle ne connaît pas la danse, c'est une ouvrière, elle est finalement surprise, frappée au visage, elle reconnaît cette femme, ses cheveux gris, et elle se persuade d'avoir tué cette femme-là, qui est Pina Bausch. Et de là, elle va faire plein de recherches. Et de là, elle va se passionner pour Pina Bausch. Donc c'est là où c'est intéressant, parce que vous, Julien, l'idée est bonne, parce qu'après, le lecteur, vous le prenez par la main, et vous lui faites partager votre passion. La passion qui, oui, de Pina Bausch. À travers les yeux de Clémentine, qui fait des recherches. Oui, comme moi, j'ai finalement mené mes propres recherches parce que j'ai écrit ce livre. Clémentine, mon héroïne, va effectivement faire un travail d'enquête sur la femme, la danseuse, Pina Bausch, ses origines en Allemagne, son départ à New York. Et puis elle va décrire ses ballets qui vont la bouleverser, qui vont vraiment la chambouler intimement. Et ça va l'aider pour elle, ça va être pour elle une sorte de béquille. Dans l'apprentissage de la maternité, des premiers pas, parce qu'elle est mère pour la première fois. Et oui, Pina Bausch va être pour elle un repère, un ancrage important. Vous parlez bien du rapport avec son enfant, Barnabé, au fur et à mesure. C'est plutôt bien fait, c'est rythmé, on rentre vraiment dedans. Et c'est assez bien, c'est un roman, c'est littérature blanche, mais il y a vraiment, vous avez mis le ressort... pas policier, je sais pas ça, mais il y a un suspense, il y a un truc qui fait qu'on a toujours envie de tourner pour se dire qu'est-ce qui va se passer de plus, puis finalement on en apprend plus sur les deux personnages, mais pas tant que ça. Oui, c'est un faux roman policier. Voilà. Oui, effectivement, je l'ai conçu un peu comme un polar, mais il n'en est pas un. Chaque fin de chapitre se termine par une sorte d'indice sur ce qui a été cette nuit-là, l'incipit, lorsqu'elle se rend à la maternité, qu'elle fauche la personne, ou quelqu'un, ou quelque chose, on ne sait pas. Et effectivement, ça mène le lecteur à vouloir toujours aller plus loin,
tout en finalement comprenant que c'est plus une enquête intime sur qui est Clémentine et qui est Pina Bausch et qu'est-ce qui va les relier au cours du livre, même s'il y a quand même une sorte d'intrigue policière et il y a quand même un rebondissement à la fin. Non, mais je voulais pas être négatif. Vous avez raison, défendez votre truc. Et la chorégraphe Pina Bausch, danseuse aussi, du coup, ça vous a permis avec ce roman, j'imagine, en faisant des recherches, de découvrir plein de choses sur elle que vous ne connaissiez pas. Oui, alors c'est très compliqué puisque Pina Bausch était une femme très confidentielle. Elle n'aimait pas beaucoup les journalistes. Elle les fuyait, elle aimait bien au contraire les contredire, défabriquer leurs raisonnements. Il y a très très peu de choses qui ont été dites sur Pina. Alors, il y a beaucoup d'images, beaucoup d'albums photos sur ses ballets, qui sont vraiment des œuvres d'art à part entière. Après, sur sa vie personnelle, ça a été assez compliqué, oui. Je me suis pas mal renseigné finalement sur les témoignages de ses danseurs, de sa troupe, qui était pour elle sa véritable famille. Et c'est à partir de ces témoignages, notamment de plusieurs danseuses comme Joanne Endicott ou Dominique Merci, que j'ai réussi à tisser un fil dans l'histoire plus ou moins vraie, plus ou moins fantasmée de Pina Bausch. Alors...